Bonjour, voilà, là j'ai préparé tout petit goûter. Parce que ma cousine vient de m'appeler, elle m'a demandé de me préparer un petit goûter. On va lui faire goûter, hein. Ça. Et là, vu que vous savez, dans la zatéière, il n'y a pas de truc noir, donc c'est chaud quand même quand je vais tenir. Voilà, ça j'aurais juste à tenir comme ça. C'est mignon, hein. C'est pratique. Voilà, on va faire ça vite fait. J'ai tout préparé, je serai tranquille. Ça, je vais aller débrouiller. Ensuite. Là, j'ai pris l'assiette, je vais mettre les gâteaux. Franchement, j'avais acheté un gâteau. Ça fait du bien. Je vais mettre les gâteaux. Voilà. Mon gâteau. Je vais mettre ça de côté aussi. Qu'est-ce que je vais poser ? De la confiture et du beurre maintenant. Voilà. Ma confiture. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Hein. J'arrive même pas à l'ouvrir. Voilà. Maintenant, on fait comme ça. Hein. Après, moi, je fais comme ça. Après, je sais pas comment font les autres. On met de la confiture comme ça dans une assiette. Je vais ranger ça, aller chercher le beurre. Moi j'ai toujours appris à faire comme ça. Après je récupère du beurre. Je prends du beurre comme ça. On va mettre des petits morceaux de beurre comme ça. Moi depuis petite, quand je viens d'Algérie, j'ai toujours appris à faire ça comme ça. C'est ce qu'ils font. Donc je fais comme. Dites-moi dans vos commentaires si vous faites comme ça ou pas. On va mettre des petits morceaux de beurre avec la confiture. Voilà. Et on va ramasser ça et je reviens vers vous les petits mots. Donc voilà. Ça c'est prêt. On va mettre un cuit de noisette. Mais vous, ça fait tellement grand, des grosses. Regardez, je n'ai pas posé ça comme ça. Moi, j'ai coupé ça en deux. Là, c'est plus joli parce que. Regardez la taille que ça, la tête que ça. On va couper ça en plusieurs morceaux. Ça sera plus joli quand même.
l'instant, on fait une assiette parce que. Ouais. Je rajouterai après si il faut. Hein. Pour l'instant, ça, ça suffit. Encore. Qu'est-ce que je vais mettre? Attendez. Donc, j'ai mis de l'eau avec les cuillères. Je pose ça. Là, je vais nettoyer. Je reviens vers vous. Je vais encore poser des petits gâteaux. Là, je vais mettre quelques biscuits. Après, je mangerai tout ça dans une boîte. Sans oublier le sucre. Voilà, maintenant j'ai préparé le thé. Bon, là je vais ramasser un peu de bordel parce que j'avais mis du linge partout. Je vais actuellement monter dans le toit. J'ai posé le linge ici. Là, je m'en ramasse. Voilà, donc là, je suis la table. Bon, le grec a déjà propre dans le sucre. On va mettre là. On va mettre le fauteuil ici. Voilà, je range bien. Et là, c'est pareil. Voilà, je range bien tout. Donc voilà, là je vais mettre de l'eau à bouillir, j'allume, j'attends que ça boue. Là je vais mettre une bonne cuillère à café, on va dire, je vais faire ça à la main, à soupe hein. De thé vert. On va rajouter un tout petit peu, on va rajouter un tout petit peu là. Voilà. Voilà, je prends ma menthe. Hein. Après, je vais enlever ce qui est pourri. Hein. Après, je vais la nettoyer. Je vais prendre un couteau parce que là, avec mes mains, c'est pas évident. Voilà. J'enlève les feuilles mortes. Je vais ranger ça, je vais laver ça. Donc voilà, mon eau a bien bouilli. Je vais nettoyer mon thé. Voilà, dans ce thé-là, par contre, j'ai pas laissé
L'arôme, j'ai juste nettoyé direct. Là, je vais jeter l'eau. Voilà, là, je nettoie monter. Voilà, là, je vais mettre une feuille de menthe. Par contre, je ne vais pas vous mettre l'eau tout de suite parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Là, juste, je prépare, c'est juste pour vous faire montrer. Voilà, je vais mettre un peu de sucre. Là, je vais mettre du sucre. Comme il est assez grand, je vais mettre. J'ai mis 3 bonnes cuillères bien remplies. Voilà, et comme ça, à la fin, j'aurais que à mettre mon eau pour tourner. Mon thé sera prêt. Ça, je pourrais rester avec ma cousine. Bon thé, petit loup. Bon appétit. Bye bye, bon thé.